Bonjour les jardiniers. Alors, vous l'aurez compris, c'est Noël avant l'heure. Donc, je craque hein, pour le concours des 1000 abonnés. Il m'en manque encore presque 70. Donc, c'est pas possible d'attendre si longtemps. Donc, il faut absolument que je fasse gagner ma mangeoire. Parce que les oiseaux, ça sera le printemps quand j'aurai 1000 abonnés. Donc, c'est maintenant qu'ils ont besoin de nous. Donc, c'est parti pour connaître le gagnant. Donc, 30 participants. Et j'avais exactement 72,25 mètres carrés de surface potagère. Donc, l'heureuse gagnante est Frézy Chouillot qui avait trouvé 72,68 mètres carrés. Donc, c'est une chaîne avec des recettes. Je vous conseille d'aller la voir. Il y a des choses intéressantes. Donc, Frézy Chouillot, eh bien, écoute, tu me laisses ton mail et je te contacte pour savoir comment est-ce que je t'envoie la magnifique mangeoire. Donc, je répète, la mangeoire pour mes anges, donc dédicacée, attention, au nom de Mandarine, et une mangeoire qui sera pleine de graines de tournesol. Donc, tout de suite, prête à l'emploi avec le cordon qui va bien et que l'on met où l'on veut. Eh bien, écoutez, je vais quand même vous laisser une recette aujourd'hui. Allez, vous avez eu mon pompon. Donc, on est encore aux alentours de Noël. Donc, je vais vous laisser des verrines de potimarron. Puisque, voilà, je suis à la fin de mon potimarron. D'ailleurs, voilà, mon doigt qui était blessé avec le potimarron. Vous pourrez encore faire ces verrines pour les fêtes, par exemple. Eh bien, cette fois-ci, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt. C'est encore moi. Je n'avais pas tout à fait terminé. Et en plus, je vais vous mettre un petit bonus en bêtisier parce que c'était rigolo la manière dont j'ai tourné cette dernière vidéo. Donc, voilà. Et puis, évidemment, j'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année 2020 puisque c'est la dernière de la saison. Donc, j'en profite pour souhaiter à tous les jardiniers et tous les autres, évidemment, une très bonne année. Donc, aux jardiniers, évidemment, on va leur souhaiter de la pluie, mais pas trop, du soleil, mais quand même pas trop chaud, la santé, pas de mal au dos, pas de tendinite pour pouvoir travailler dans le jardin, bon, des sous, évidemment, pour acheter tout ce dont on a besoin, et puis tout ce dont vous aurez envie, évidemment. Donc, je crois que cette fois-ci, c'est bien la dernière. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt. Bonjour les jardins. Celle-là, faudrait la laisser.